Yo les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo Romain, non? Les gars, on est en direct de la Tour Eiffel, Montparnasse. Ah frérot, c'est une Tour Eiffel bizarre. Les gars, ce soir, grosse soirée avec les Staps, on va à Rennes, à l'Espace Club. Pff, ça va être une dinguerie. Je peux mettre un extrait, man. Non. Bref. Grosse soirée ce soir, Staps, je pense qu'il va y avoir genre 1000 personnes, encore une petite heure de train, petit après-midi shopping, je sais pas, on a un Airbnb, un centre commercial juste c'est à côté. C'est le temps de prendre la Rennes jusqu'à ce soir, frérot, il y a du ouais, temps. Ouais, on a large le temps de faire ce qu'on veut. On va aller manger, on reprend le train et on se retrouve à Rennes, à tout de suite. On est accueilli par Netflix, on va mixer chez Netflix ou... Non, on est dans le métro, on prend nos tickets. Ouais, parfait, nickel. Je regarde juste le micro. Ouais, à mon avis, il faut les allumer. En gros, le son ça tape. Ça tape, hein. Le son ça tape. T'es à fond là? Ouais, non. Non, pas à fond là. Ah non. Ah, gros, ça va être incroyable. Ça me rappelle l'assaut Hermès, frérot. La quoi? La CR, mais 15h30, frérot. 15h30 sous gros son. Il y a de la place, il y a du matos et il y a une lampe torche. Quatrième étage. On vient de faire les balances là. Je suis désolé, je mange en même temps, mais vous êtes un peu dans ma vie donc attention, il y a un poteau. On a fait les balances dans le club. Honnêtement, le club il pète sa mère. On a quoi? Ils ont dit 600 personnes, je crois. On se rend pas compte, mais ça va être vachement rempli avec la taille du club. On était chercher le Airbnb. Je pense qu'il y a un truc à revoir par contre, frérot. Faut raconter l'anecdote, frérot. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Airbnb, on est dans une chambre chez l'habitant en fait. Du coup, on va peut-être partir sur un autre. Donc, Airbnb. Donc, je pense que je vais prendre un Airbnb de ma poche. Parce qu'en fait, je vous explique, le mec qui nous accueille, bon, il a pas 30 ans. Il a genre 40-50 piges, tu vois. Et à tout moment, moi, à 23h, quand lui sera couché, bah, je vais préparer mes sons pour ce soir. Et du coup, bah, je vais faire du bruit. Sauf qu'il va pas vouloir qu'on fasse du bruit à cette heure-là, parce que lui, il va vouloir dormir. Puis même, quand on va rentrer à 4h, on va faire un peu de bruit, genre, je pense qu'on va débriefer un peu la soirée et tout. Ça va lui casser les couilles, ça va nous casser les couilles que ça lui casse les couilles. Et là, on laisse nos affaires là-bas avec un mec qu'on connaît pas. J'aime pas, et je pense que ça se comprend, parce que toi non plus, tu laisses tes affaires aussi là-bas, et tu te sens pas trop bien non plus, tu vois. Parce que le gars, on le connaît pas. Donc moi, je vais regarder Airbnb, et je vais expliquer à l'assaut de pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi ça me plaît pas. Voilà. Bref, on va faire du petit shopping, je pense. Et on va aller chercher un petit Starbucks. Il y en aura dans toutes les villes. Oh, président République. On va faut qu'on aille République, ouais. On va faire une petite visite de Rennes aussi. Je pense que ça va être sympa. Arriver au resto, frère. On avait une réservation pour petit. Oh, il va falloir qu'on explique toutes les anecdotes qui sont passées depuis tout à l'heure, quand même. On va expliquer ça tout à l'heure à l'hôtel. Donc ça, frère, c'est incroyable. Regarde les tickets. Incroyable. Non, j'ai donné à Coco. Trop fort. Aberrant. Il a fait une collab avec Cavalier. Je sais pas du tout, je l'ai perdu. On a sorti 2 ans en collector. Tu l'as. Et j'en ai comparé en personne à ça. Ah là là là. Oh, moi j'ai fait en vrai, c'était bien. Mais... bière, vin blanc, calva, sirop de cassis. Ça, incroyable. On note. Ça va? Mais je pense qu'il va falloir y aller parce qu'il faut que tu prépares un set quand même, je crois. Ah bon? Frérot, on s'apprête à rentrer à l'hôtel. Je crois qu'on a pris un petit van, frérot. Allez, let's go. Pas du tout. C'est le Uber qui est ici. Pas du tout, c'est... Allez, frérot. Bon, frérot, il va falloir qu'on prenne du temps pour expliquer ce qui s'est passé parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup filmé depuis le début. Les plans vont être un peu mélangés, donc on va falloir expliquer aux gens ce qui s'est passé. T'es prêt à faire une série de 8 épisodes de 45 minutes? Alors. Bienvenue.
Alors, pour refaire l'histoire, de toute façon, je l'expliquais tout à l'heure, on est arrivé chez quelqu'un, et en fait, c'était une chambre chez l'habitant. Donc, le mec, j'étais pas trop chaud pour rester, parce que on allait faire du bruit le soir, et je voulais pas trop qu'on le gêne. Et j'ai appelé mon manager, Bernie, qui dit, bah non, tu restes pas. On a dû trouver une solution de secours, sauf que pas un seul Airbnb dispo, pas un hôtel de dispo. Rien. Rien. On a réussi à trouver quand même 2-3 hôtels. On appelle, enfin ils font les réservations, tout ça. Ils réservent les chambres, on arrive là-bas, non c'est pas dispo. Donc autant vous dire qu'on est arrivé à 14h, on a tourné jusqu'à 18h30 pour trouver cet hôtel. Et vraiment on a galère toute la journée, on a dû se speeder là pour aller au resto. On avait rendez-vous à 19h, on a eu la chambre à 18h30. Donc on n'a pas pu se changer, on n'a pas pu se préparer. Et là il est quelle heure? Et là il est 21h10 je pense. Il va falloir préparer 21h21. Il va falloir préparer le set. Puisque du coup, dans... Il a combien de temps? Dans 4 heures, on est censé être à la boîte. Donc j'ai le temps de le préparer en 4 heures. Heureusement qu'on a fait les balances quand on est arrivé. Il faut que j'envoie le logo et l'intro au DJ aussi. Donc voilà, la galère un petit peu. On a galéré à trouver une chambre d'hôtel. J'ai vraiment cru qu'on allait dormir dehors. Ou dans la boîte. Sur une petite banquette. Ou dans le train. Oui. Bon, on aurait peut-être dû rentrer directement. On aurait pris un retour à 5h et puis on s'est retourné à Paname à 5h. Au moins on a une chambre, on va pouvoir dormir jusqu'à 11h30 midi. Parce qu'il faut qu'on rende la chambre à midi. Je prépare le set et je me prépare et puis on y go. Allez belle. Allez belle. Valide ou pas? Est-ce que je fais un défilé? Frérot, je veux que tu défiles, vas-y frérot, défile. Bon, t'as dit quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ce soir il va y avoir du monde, frérot. 600 personnes, je crois. De prévente. 600 préventes. Et toi? T'es comment là? Ça va. Combien de temps le Uber, frérot? 3 minutes? 2 minutes, frérot, apparemment, dans 1,4 km. Est-ce que je leur fais Stapsienne, quel est votre métier? Un peu trop beau, femme, mon goût. D'accord. Bah, je le fais pas alors. Bon, on vient d'arriver en loge, frérot. Bien accueilli, hein. Bien accueilli, franchement, petite bouteille. Mais pas des moindres. Petit diplo, frigo rempli de Red Bull, de Coca, d'eau, de tout ce que tu veux. Et de toute façon, on n'est pas là pour se mettre une timbale, on est là pour bosser. Est-ce que t'es prêt, mon ref? Bien sûr. Je crois que nous, je crois que ça va être blindé, frérot. Nous, on est arrivé, faut leur dire quand même que quand on est arrivé, il y avait déjà une queue de malade devant le club. Donc ça va être. Je pense que ça va être blindé. Je pense que ça va être vraiment blindé, frère. Là, vraie soirée. Vraie soirée. De toute façon, on vous montre tout ça dans le vieux décor, la constitution. Ils ont cru que ça allait partir au moment où t'as. Et en fait, c'est maintenant. Il reste plus beaucoup de temps. J'ai descendu déposer un disque dur, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, bah j'ai déposé la tracklist. Le DJ il l'a mis dans la platine, prêt à partir quoi. En bas c'est comment là? En bas c'est blindé, frère. Tout à l'heure on est monté, bon il y avait 100 personnes. Bon. Tu sais quoi? Va voir. Va voir. Vas-y, on va voir. Ouais, genre, vous savez, les mecs. Maintenant là, prêt ou pas? Bien sûr, toi. Quand tu veux. Okay. Bonne chance, mon gars.
la vidéo. Ah, c'était quelque chose, sûrement. Oh, gros, c'est un truc de fou. Wesh. Abéro. J'oublie toujours un truc. T'as failli oublier la chose la plus importante du. J'ai oublié un morceau de ma vie en cabine. Le disque dur, quoi. Le Dix. Le Dix dur. Ouais, on rentre à l'hôtel et puis on découvre la soirée. Ok. Sacrée soirée. C'était aberrant, quoi. Il y avait une ambiance. Maintenant, il vient de rentrer. C'était fou. On va débriefer à l'hôtel. C'était incroyable. Ça, on le voit, ta coupe. C'était une vraie sourire, on voit la coupe. Ouais, 021. Un crunch, un 021. Imagine il reste bloqué. J'irai, regarde-le. C'est lequel du coup? 021. Lequel, le crunch? Est-ce qu'il va tomber ou est-ce qu'il va pas tomber, frère? Il est tombé. Il est bien tombé. Crunch. Non, en tout cas, c'était fou, frérot. C'était... Maintenant, il vient de débrief. Et de dormir. Il est bon ce crunch? Pas mauvais crunch. Pas mauvais? Pas mauvais. Ah non, on l'a passé. Ah non, c'est merde, je pensais l'avoir passé mais non. Je suis mort. Comment? T'as oublié le débrief? Oh ouais, c'est vrai. Bah gros, c'était une giga soirée. C'était méchant. Je vois encore des images dans ma tête. Des flashs? Est-ce que tu vois les mêmes que moi là? Oh ouais, c'était une soirée... De fou, vraiment c'était méchant. Rennes, c'est un putain de public. Et les Stapsiens, ils étaient trop chauds. Bref, pour résumer, c'est vraiment une putain de bonne soirée. Même si on a eu des petits couacs au début. Mais bon, ça s'est très vite réglé. Eh gros, je suis dans l'espace là. Là, j'ai tellement envie de dormir. Non, l'espace c'était tout à l'heure. Je pense que je vais dormir un petit peu. Et demain, vraiment, petit déj, petit Starbucks, et puis on retourne à la gare, et puis on retourne à Rouen, voilà, la maison, basta. Bonne nuit tout le monde. Bisous. Frérot, on quitte l'hôtel en urgence, il est quelle heure? On se fait plutôt virer de l'hôtel. Après les midi 16, fallait le rendre à midi. C'est pas à midi quand t'étais à la douche. Il y a le téléphone de l'hôtel qui sonne, tu vois. Je décroche. Oui, il était midi. Est-ce que... Vous pouvez libérer la chambre, il est midi. Du coup, on s'est pressé de partir. On a eu du mal à se lever. À cette ambiance, à cette ambiance. Vas-y, on parie quoi? Moi je pense qu'on est à quai 3. Moi je dis Kékette. Kékette? Non, Kékette je dis. Ouais, Kékette. Non, je dis Kékette. Kékette? Non, Kékette. Kékette, numéro 4. Oui, Kékette. Ok. Tu vois, frérot? Il est à Kékette. Kékette. Il est à Kékette. Ah, ils vont avoir une belle vidéo là. Je suis encore sous le choc, c'est incroyable. Ouais, je suis mort. C'est bon. Je voulais qu'on se dise au revoir, frérot. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Là, on est à la gare, on est à Saint-Lazare. Nos chemins se séparent avec mon petit vidéaste. Moi, je pars à Caen. On prend deux trains différents, donc on va devoir se quitter là tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une seule date, mais il fallait qu'on vous la filme. C'était vraiment aberrant. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentaires, tout ça, les likes, vous connaissez, s'abonner. Merci pour le soutien. Big love. Ciao.